C'est la reprise. On est toujours sur Desperados 3. On change pas une équipe qui gagne. Alors le problème c'est que j'avais programmé un bon petit truc d'élimination simultanée là. Kate qui s'occupe de elle, John qui s'occupe de lui et Doug qui snipe ce mec. Le problème, les petits gars, c'est que il y a elle là qui voit tout. Et elle, elle est inaccessible pour le moment. Il faudrait que je détourne son attention avec probablement le chat. Avec le chat, c'est peut-être jouable. Effectivement, il faut juste que je me rapproche. Et là, ça va pas être une partie aisée. Mais je suis obligé de la jouer comme ça. On va tenter le coup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? De toute façon, j'ai pas 36 solutions. Le chat, c'est la vie. Mais il va pas loin, le putain de chat. Faudrait que j'arrive à aller dans les fourris qui sont là. Est-ce qu'ils sont en train de... Non, ils sont pas en train de revenir. J'ai peut-être une chance. Fuck! Oh, il m'a bien vu, lui. Il m'a bien vu. Ah, tu me diras, le mec, il a un fusil à lunettes. Puis il est posté sur un petit promontoire, là. Donc, oui, il voit que moi, quoi. Promontoire, Promontory. Promontory, c'est le nom de l'excellent main theme du dernier des Mohicans, qui est un... C'est pas vraiment un western. Mais, alors attendez, j'ai envie d'éternuer. Mais que je vous conseille quand même. Ça se passe dans l'Amérique pré-western, on va dire. Pré-Far West. Très très beau film. Mais alors la musique est excellente. Géniale. Simple. Ça, je suis un peu plus safe pour descendre. Attention à lui quand même qui m'emmerde. Il m'emmerde lui. Ah, il m'emmerde clairement lui. Ah, il m'emmerde lui. Barre-toi avant que les autres viennent s'il te plaît. Non, non, il est encore pire que tout. Il est encore pire que tout. Oh, what? Comment le voile? Attends, le regarde pas du tout là. Comment elle me voit, le bordel de merde? Ah. Ah, c'est chaud là pour passer, du coup. Ouais, non, mais là c'est chaud, là je passe pas, là c'est un no man's land. C'est un no man's land là. Faut que je change de route. C'est con parce que là, putain, il y avait un coup à jouer quoi. Peut-être que derrière le rocher, là, vous gagnez un peu de temps. Ouais, faut que je me mette derrière le rocher, il y a une petite zone d'ombre là qui devrait me protéger de tout le monde. Et que j'attende que cette connasse regarde ailleurs, je sais pas si elle va le faire vraiment. De toute façon, j'ai pas d'anti-solution. Tu vois, il y a une zone d'ombre là, il faut que je baisse le rocher. Quoi. Je baisse le rocher ici. Là, logiquement, je suis safe. Il y a eux qui reviennent. Eux me font peur. Eux me font relativement peur. Pas trop jusqu'où ils vont en plus. Oh putain, je suis dans la merde. Mais voilà. Et voilà, c'est exactement ce que je craignais. C'est exactement ce que je craignais, bordel. Faut que j'arrive à faire passer Kate. Kate, putain, j'ai du mal avec ça. Faut que j'arrive à faire passer. Isabelle. Quitte à détourner l'attention des mecs. Mais... I wouldn't worry just yet. Comment je passe, bah, comment je passe. Lui, c'est pas un problème si je fais comme ça. Bah maintenant, je pourrais y aller en fait. Mais il y a eu qui remonte, il y a eu qui remonte. C'est lui qui me saoule là. Ah, quoi que là, ça va peut-être être jouable. Ah putain, il y en a un autre qui se pointe là-bas, mais c'est une blague ce truc. Non, il regarde pas. C'est le moment. Alors là, du coup, je rentre dans la partie visible de lui pour échapper à la partie visible de la meuf. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Du coup, je vais utiliser le chat bien avant. Ah, je peux pas l'utiliser, putain, sur ça que je veux. Ah, mais là je peux pas y aller, la meuf elle. Ah, elle me fait chier, elle. Putain, elle me fait chier quoi. Incroyable.
Mais bouge de là, quoi. Fous-moi le camp, quoi. Putain, elle a une position là qui m'emmerde, mais au plus haut point, quoi. Parce que là, je peux pas. Je peux pas passer de ce. Lui, comment il me voit, lui? Quand je descends à chaque fois. Attendez, est-ce que là, du coup. Si je passe. Comme ça, le long. Si je longe ma falaise. Si je longe ma falaise. Là. Sans aller plus loin que le rondin. Pas que j'aille plus loin que le rondin, en fait. I wonder what all this crap is for. Looks like a mine of all things. Back in the day, Frank took this place over because of the gold mine. Gold, you say? Ah, je suis passé prêt pour mettre le chat, putain, je t'ai écouté. Non, c'est un drame, il vient de se produire. Faut que j'aille dans les buissons qui sont là, mais alors là, c'est inaccessible. C'est même pas la peine de penser, quoi. Si, je peux le faire en plusieurs temps. You there? Really fast. Wasn't fast enough for Frank. Ah bah non, il y a l'autre qui se pointe au même moment, à gauche. Ah, don't worry. He comes for you, I'll save your ass. Je vais mettre comme ça, sinon je vois pas. Voilà, chou. I got a task for you. Off you go. Hey, you a cute kitty cat. Je lui cours devant la gueule en espérant que ça passe, tu sais. Je lui cours sur la gueule en espérant qu'il me verra pas, le mec. Wasn't fast enough for Frank. Sure, but what about us? Ah, don't worry. He comes for you, I'll save your ass. Not mice, are you? What the? Ça passe! Ça passe, c'est un exploit, mais ça passe! C'est un miracle, mais ça putain de passe, quoi. Alors là, action épique d'Isabelle. Alors là, les compteurs. Elle aura beau perdre au compteur. Parce que je pense que là, John, il commence à être loin devant. Quoique, elle les butait deux par deux en début d'aventure. Mais quoi qu'il arrive, c'est elle qui gagne la partie quand même. C'est la grande victorieuse de cette partie, c'est Isabelle. Même si elle tue moins de mecs que les autres. Parce que putain, ce qu'elle vient de faire, l'exploit là. L'exploit, elle est passée à 3 cm d'un gars. Coup de vent. Et alors là, ça va être le bonheur. Parce que j'ai plus qu'une attention à détourner. L'attention de cette meuf là. Pour déclencher mon plan diabolique. Ça donnait du mal pour eux, ce plan. Ça va payer, je pense. Attends. Il va maintenant. Faut mourir maintenant. C'est bien. Donc là, on récapitule. Kate a tué. John a tué. Edog a tué. Et Isabelle a permis que ce plan fonctionne. Chapeau Isabelle. Sans toi, rien n'aurait été possible. Magnifique travail d'équipe. Ah, qu'est-ce que je kiffe ce jeu. Qu'est-ce que je kiffe ce jeu. C'est un truc de ouf. Toi, tu vas rester là, Doc. Pour l'instant. Travail d'équipe. Oh là là, cette Isabelle. Cette envolée fulgurante dans les buissons. Bah du coup, maintenant, lui, il est visible de qui? Peut-être de lui. Peut-être du poncho. Non, lui le voit en bas. En bas, il le voit peut-être pas. Non, en bas, il le voit. Il le voit pas parce qu'il y a la diligence. Maintenant, il y a le long manteau là. Lui, la poncho là, il le voit pas. Long manteau là. Il voit pas. Il voit pas. We got places to be. Allez, mission pour Doc. Si j'y vais avec Kate, je pourrais pas le tuer. Kate, elle a pas de. Ouais, Kate, elle a pas de compétences. Shall we continue? Létal, en cas de. Par contre, faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite parce que. Il y a lui qui voit, non? Non, lui, il voit pas, les gars. Ouais, il voit pas.
voit pas, il voit pas, et eux ils voient, et ils voient tout. Donc faut qu'on attende que leur mandale passe. Lui, il continue à ne pas voir. Par contre, il y a lui qui voit. Donc, on attend que lui passe. Et là, logiquement, il va aller. It ain't personal. Cool. Ah, donc on va l'appeler le chirurgien parce que c'est quand même chirurgical ce qu'il fait depuis le début de l'aventure. C'est pour le coup, voilà, c'est le sniper quand il faut au bon moment, bam, dans le bon délai. La petite piqûre qui laisse pas de traces et qui tue instantanément les mecs. Chirurgical le doc, on l'aime. Et toi, je vais tellement t'enculer. Je vais tellement grimper cette échelle et t'enculer. Mais je vais t'enculer avec Hector parce que c'est lui qui a la plus grosse, j'imagine. Donc, voilà quoi, c'est pour que ce soit, mémorable cette histoire. Ah, il va t'arriver des bricoles, mon salaud. Bon, bah, ça commence à prendre forme cette histoire. En plus, j'ai des petites fioles là, des petites fioles pour anéantir tout un groupe entier. Ça, ça fait plaisir. Bah, tiens, ce groupe là, connard. Par contre, avec Hector, il soit prêt à agir. Il est où Hector? Il est là. On va le rapprocher. Quoique j'ai peut-être même pas besoin finalement. Sure thing, amigo. Time to make some say hello to this beauty. On va s'emmerder. Pourquoi on s'emmerderait? C'est la question que je vous pose actuellement. Oh, I needed that. Voilà, comme ça ils posent plus de soucis. Impeccable, hein. Ok, let's get going. Ah, là par contre c'est pas la chirurgie. C'est opération à cœur ouvert. Grand coup de chevrotine. Le mec t'ouvre le ventre avec son fusil à pompe pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se complique. Il y a cette ronde de connard là. You know, they... Et il y a elle qui m'a tellement pourri la vie. Maintenant, ce sera plus facile d'y aller parce que. Il n'y a plus le sniper en haut. There is something. Something in the way. Alors, du coup, comment on peut faire? Ma petite Isa, est-ce que tu as une solution? Est-ce que déjà, ce serait pas. Une bonne chose. I got a task for you. This is good. Yes, Mr. Pin in him. Est-ce que elle le voit? Ah mais après il le voit. Lui il voit pas la meuf là, mais lui la voit, elle la voit et lui la voit. Ok. Personne te voit toi quand tu passes derrière la cabane, là, je pense. Frank. How does he know they'll come? Frank's an old dog. I'd trust his nose if I were you. Peut-être lui, non? Think. Watch and learn. Ça fait quand même du boucan, ça. Faut que je le bute autrement, lui, parce que ça fait trop de bruit. Qui m'emmerde, mais je pense pas qu'il voit. You think they got that beauty with her? The one who killed her groom? Probably. You won't fall for her, right? Because you got lady. Tac, ça c'est fait. Ah non. Putain, mon canapé il me fait mal au cul. Ça c'est des canapés de merde à Ikea, je l'ai pas acheté cher, mais je peux vous assurer qu'il me fait mal au fion. Je me déplace, j'ai une fois plus tendance à m'asseoir au milieu des assises à chaque fois. Sur tous mes canapés, ça, hein, je sais pas, c'est mon cul qui est pas fait normalement, je ne sais pas. J'ai une fâcheuse tendance à toujours m'asseoir en plein milieu des trucs,
En fait, entre deux assises. Tu vois. C'est sur la réunion entre deux assises. Je sais pas pourquoi, c'est une sale manie que j'ai et du coup je déglingue les canapés. Et ça, c'est un canapé qui est neuf, il a quelques mois seulement, donc j'aimerais bien en prendre soin. C'est un Ikea, j'ai pas mis bien. J'ai pas payé bien cher, donc bon. Pas, je sais qu'il va pas me faire des années. Les canapés, c'est une catastrophe, hein. Ça change tout. Moi, je les change tous les. Voilà. Tous les 5 ans. Puisque le premier que j'ai eu, c'était en 2010. Deuxième en 2015. Troisième en 2020. Tous les 5 ans, je change le canapé. Et celui-là, je pense pas qu'il tiendra jusqu'en 2025. Ouais, du coup, je parle, comme souvent, je raconte plein de conneries, tout le monde s'en branle, et puis j'avance pas, quoi. J'avance pas, regardez les soins apportés aux détails, quoi. Tu sais, les petites caisses avec les bouteilles de pinard et tout dessus. Ah, cette ambiance, elle est bonne. Hein. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette ambiance. Je veux un Robin Hood. Vous avez prouvé que vous étiez des masters en termes d'infiltration tactique. Eyes on the target. Commandos like. Mimimi, là, le studio, là. Là. Faites-nous un Robin Hood. Je veux voir ça. Eh ben, je peux le buter, en fait. Non, je peux pas le buter, parce que lui, il parle. Il faudrait que j'envoie la petite Kate. Petite Kate, elle peut faire des miracles. Ma petite chérie, ma petite préférée. I'll make him sneeze. Oh, pas faire tant de choses que ça. This place got history. Who needs a good killing? What? I'm listening. I'm all ears. Ready and set. Ce qui me fait peur, c'est les mecs qui se baladent un peu partout. Hey! Non, ça dit pas mal, c'est la Kate. The one who killed her groom? Probably. You won't fall for her, right? Because, you got that. Ouais, mais voilà. Je me suis pas dépêché. J'ai trop pris mon temps, je me suis pas dépêché en fait. Let's blind him for a second. Je vais un peu plus vite dans la démarche. Au moins me rapprocher un peu. Hey, non, là je suis vraiment au bord du bord. The one who killed her groom? Probably. You won't fall for her, right? Because you got lady parts. Get back on patrol, you dumb shit. Voilà, quand tu te dépêches un peu plus, ça passe mieux. Une de moins. Une de moins, lui. I wouldn't worry. À la limite, je peux faire ça un peu. Un coup comme ça. Keep your head down. Who needs a good on my way. Tac, comme ça. Ah mais là du coup ça va passer. Il faudrait que je me mette debout, mais si je me mets debout. Ouais, si je me mets debout, je suis grillé. Le rocher il est pas assez haut. Donc si je tue lui, elle meurt, ok, et après il faut que j'aille récupérer le corps avec Frank. Mais il y a lui qui risque de poser des soucis, et puis il y a lui qui voit pas mal de choses. Don't worry. Lui il risque de casser les roues. Et lui aussi, là, le gars en vert, là ça va être un poison, ce mec. Faudrait peut-être que j'élimine le mec en vert avant, vous croyez quoi. Ouais, je le bute à un endroit où personne ne voit. Shame that bounty is worth nothing. Il est là. Thor, tu vas t'approcher, mon coco. Ok, let's get going. Attention à lui. Does he know the hell? Frank? Chier son nom. Personne ne voit. Ouais, personne ne voit, mais je peux pas l'atteindre.
Pour l'atteindre, il faut que je passe par où? Faut que je monte la corde. Faut que je passe par là. Non, même pas. Pour l'atteindre, il n'y a que moyen. Il n'y a aucun moyen de l'atteindre en fait, le long manteau qui est là-haut là. Regardez. Si, il faudrait que je monte la corde là en fait. Ouais, faut que je monte la corde qui est là avec, Mia ou John. J'aimerais bien la tirer lui là, le mec en vert. Ah putain, puis il y a le mec qui a cassé le cul ici. Close behind me. Ah, ils l'ont bien placé. Hein. Ils l'ont bien placé, ce connard. Ouais, très très bien placé. You know, they say he's fast. Faut que j'aille le buter. Comment je fais pour aller fast enough for Frank. Mais John, sure, but je cours. What about us? Don't worry. Je monte la corde là. He comes for you, I'll save your ass. Je bute lui. Qui le voit lui? Non, il peut pas. Enfin, je vais me lancer dans un truc, c'est pas gagné. Ouais, tiens, en plus, il voit pas mal. Enfin, ça va être chaud. Je me lancerai bien dans un truc qui est vraiment pas gagné. À courir, John, tout ce que tu sais. The fuck? Non, j'ai pas le temps parce que je me baisse entre temps et puis du coup ça me nique ma course. Comment tu vois ton copain? Tu vois pas beaucoup ton copain en fait. We make quite the outfit. Gash it, my specialty. Il a l'air de beaucoup surveiller ton copain. Who? Frank? Yeah. How does he know they'll come? Frank's an old dog. Non, t'as pas l'air de le surveiller ton copain. Ça, c'est une bonne nouvelle par contre. Je change d'angle de tir. Par où je pourrais monter avec Doc? Ici. Steady hand. Never saw it coming. I'm here, amigo. I'm listening. Par contre, laisse-toi, c'est tout. Mm-hmm. Voilà, là, il le voit pas. Et là, l'idée, c'est de refaire pareil avec Doc. Faire très attention. Elle se chante de vue à elle. Quand il est là, il peut me voir aussi. You think they got that beauty with her? Là, il me voit pas. Quand il est là-bas, il fait un demi-tour, il me voit pas. C'est maintenant ou jamais. Ah, maintenant, mais il y a l'autre. Ok, il y a l'autre qui parle à la meuf. Peut-être que j'envoie un chat. Peut-être envoyer un chat finalement. J'ai une marge de manœuvre qui est extrêmement courte. Extrêmement courte. Parce que si j'envoie. The one who killed her groom? Probably. You won't fall for her, right? Ou alors j'envoie ça. You got lady parts. Troll, you dumb shit. How's everyone holding up? I'm ready. Same here. Now don't tell me you had any doubts. Yeah. We doing this or what? All right. On to the chapel. Help us. I got a bullet for you. I'll follow the plan. Oh, I won't miss. Let's close this up. Time to go. What's up? You know, they say he's fast. Really fast. Fast.
Au moins j'aurais récupéré du sniper après. Je pourrais y aller. Ok, très bien. Alors du coup, petite sauvegarde, on est bon. On a éliminé la grosse menace en haut. Donc là, ça va être un jeu d'enfant de faire ce que j'ai à faire à partir de maintenant. Il faut quand même que j'élimine lui. Mais lui, ça sera beaucoup plus facile à présent avec Kate. Kate, tu vas y aller. Got a minute? I bet I can help you. On va venir ici, comme ça, ça sera directement dans les buissons. On va faire ça dans les buissons, mon salaud. Non, ça te dit pas dans les buissons. Voilà. Come here. Glad you're back, sunshine. Hey, how does he know they'll come? Frank's an old dog. I'd trust his nose if I were you. I'm here. Yes, where to? What's a little blood? How's it going? Ready when you are. Lui m'emmerde plus comme ça. Lui m'emmerde plus. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Alors ensuite, petite jeune Johnny B. Good. Tu vas te faire un malin plaisir de déglinguer ce fils d'être pute, non? Oh, dis-le que tu vas te le faire ce malin plaisir. Avoue que tu vas te le faire ce malin plaisir. Merde, j'ai bugué dans les touches. J'ai bugué dans les touches, je voulais me baisser et puis au final j'ai fait de la merde. Bon, on nous disions donc. Avoue que tu vas te le faire ce malin plaisir. Eyes on the target. Ça fait trop de bruit. Faut y aller comme ça. Faut y aller comme ça. Et... Oh bah oui, bah d'accord, il y a le petit gars là-bas que je n'avais pas vu. Que je n'avais pas vu, que je n'avais pas vu. I could do this all day. Il y a lui là. Derrière si ça veut pas. L'étau se resserre, camarade. L'étau se resserre. Eyes on the target. Watch and learn. Bring it on. Got it. I wouldn't worry just yet. Je pensais pas qu'il était si. Je pense que les mecs qui font une ronde, tu sais. Les mecs qui font une ronde là autour du gros rocher là, le groupe des 4, à chaque nouveau tour qu'ils font, il y a un mec en moins. Tu sais, t'as 15 mecs à la base, tu vois, t'en as un qui regarde dans le puits, t'en as un qui fume sa clope, un qui boit un verre, machin et tout. Et à chaque fois qu'il repasse, il y en a un qui disparaît. Il se dit... Et là ils vont arriver, il n'y a plus personne. Ready when you are. I'm on a roll. T'as vu, il y a des mecs là qui sont dans la cabane qu'on dit ouais, vous voulez bien fermer dehors? En mode. Ils ont failli m'entendre quoi. Ils ont failli m'entendre. Let's get on with it. Don't mind if I do. Tu vois, ça c'est en Desperados 1, ce que je viens de faire c'était pas possible parce que Sanchez il avait quand même une bonne Winchester, mais c'était pas à ce point. Il a un bon fusil à chevrotine, c'était quand même pas à ce point là. Là c'est craqué. Du coup, ce genre de groupe dans le 1, si tu voulais en venir à bout, c'était fiole de gaz. Ou alors, le coup de Sanchez avec le fusil là. Someone's about to lose a few teeth. Back in business. Ooh. You're heavy. Pas le balancer, je suis triste. J'aurais voulu le balancer. And up. Hey now. Que dalle. Shame that bounty's worth nothing. Allez, Doc. On rejoint les camarades.
I'm listening. Not all day you take down a legend. This'll do nicely. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouer avec une légende, j'ai vu. Genre le jeu est un peu méta. Genre il brise le quatrième mur, c'est ça? Oh putain, ça me plaît ça! Oui, ça me plaît! Oh là là, ça me plaît ça! Ah, je kiffe! Tout le monde s'en fout en plus. Tout le monde s'en fout. Un long manteau éliminé comme ça, là, ça, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ah, ça forme une étoile en fait, c'est pour ça qu'ils ont peut-être choisi. En fait, les 5 mecs en haut, ça forme une étoile de shérif. Oh putain, merde. Pas bon ça. Watch and learn. Ah non, mais bah, il va dire que c'est un accident, on est d'accord. Ouais, voilà, c'est un accident. Non, parce que vu qu'ils ont pas vu l'accident direct, j'ai eu peur qu'en fait ils considèrent ça comme si j'avais tué le gars de mes mains. Auquel cas, ça aurait foutu la merde. Mais non, non, là c'est. Oh putain, par contre, oui, c'est bien ça. Allez, retourne boire ton whisky. Non, regardez pas. Ton bourbon, Kentucky Bourbon Straight Whisky. C'est ma drogue, ça. Mon kiff. Mon alcool d'hiver, mon alcool d'été, c'est la bière. Mon alcool d'été, c'est la bière bien fraîche. Mon alcool d'hiver, c'est le whisky, ça réchauffe. Enfin, le bourbon, je bois pas de whisky, je bois du bourbon. Je bois pas de scotch, j'aime pas le scotch. J'aime pas le scotch, c'est un goût de vieux bois. C'est un goût du vieux meuble, tu vois, les meubles de chez ta grand-mère. Ça a ce goût-là, le scotch. Alors que le bourbon, ça a ce goût de meuble que tu viens d'acheter, tout neuf. C'est le bois neuf, tu vois, moi j'adore. J'adore cette odeur, cette bouche, cette puissance. Alors du coup, on peut tuer les chevaux. Alors bien évidemment, watch and learn. Alors je vais juste je vais tester les gars. Si on peut tuer les chevaux, en plus ça va peut-être me débloquer un succès au pire des cas. Non. Things will get noisy. Apparemment non, on peut pas tuer les animaux. Bon, c'est plutôt pas mal pour le coup. Au moins c'est une bonne chose. Voilà, ça se complexifie. Ça se complexifie, il y en a de tous les côtés, les chemins. Là ça sert à rien d'y aller là en fait, parce que du coup c'est ce qui m'emmène... C'est la route alternative de gauche, moi j'ai pris la route alternative de droite, donc on va prendre là. On va rester à droite. Quand je referai le jeu, j'irai là. En plus, elle m'a l'air plus facile. Oh bah oui, hein. Eh. Après, ouais, elle m'a l'air plus facile parce que j'ai déjà fait la moitié aussi. Je suis con. Parce que là, la route de gauche, putain, il y a du monde. Oh la vache, ils sont les uns sur les autres, quoi. Ça, ce genre de décor, là, c'est clairement ce que t'avais la mission avant la grotte. Dans des sphères, hein. T'avais exactement le même genre d'infrastructure. C'est un mélange de la mission 23 et de la mission le canyon qui devait être la mission numéro 11. Ouais, c'est ça, c'est la mission 11 de canyon. Ah, quand je te dis que je le connais par cœur le jeu, t'as même pas idée, moi. T'as même pas idée. Comment je fais pour tuer le poncho sans me faire voir? Pas possible. Quelque chose qui n'est pas actuellement possible. Concentre-toi, ça sert à rien d'aller là-bas. On va plutôt aller dans la partie droite ici, ce sera plus simple. On va plutôt faire ça, ouais, carrément. What's that? Never been through here. I wouldn't mind taking a gander into one of those shafts. On va regarder comment ça joue. I've had enough of mine shafts. Yeah. Besides, the vein went dry years ago. Fine. Let's move on then. Ok. Eh mais toi t'es venu vachement loin, toi. J'aurais peut-être pu te tuer, toi. C'est même pas j'aurais peut-être, c'est que j'aurais dû te tuer en fait, je suis trop con. Parce qu'il est venu vachement loin en fait. Stop. Toi t'es comment toi? Are you even listening to me? Personne te voit toi.
personne n'a l'air de le voir. Ah, il y a lui qui te voit. Il y a lui qui te voit. Et toi, toi, personne te voit par contre. Si je te flingue et je me dépêche, je dirais si y a eux qui viennent, j'ai pas le temps. Depuis tout à l'heure, ils ont fait exactement le même mouvement. Ils sont venus en même moment. Alors. C'est quoi la dernière fois que j'ai sauvegardé, je m'en souviens plus. Wait a second. Whose tracks are those? Watch it. Someone's about to lose a few teeth. Je dois mourir. Ils vont le voir. Ouais, il y a de grandes chances que non. Hein. C'est cool ça. C'est cool. I'll take that. C'est dégueulable. Gotta grow my reputation. C'est à ce moment-là qu'elle rentre en jeu, la petite. Eh oui, c'est là qui en doit la réussite de cette mission. Isabelle. Pour le coup, elle a pas les yeux bleus. Mais en tout cas, elle est ultra efficace, on l'aime tous. Ah, je dirais que c'est le personnage le plus craqué avec Hector. Parce que clairement, alors lui quand il vient jusque là par contre, j'ai l'impression que c'est un cadeau quoi, regardez. Ah non, c'est pas un cadeau. Keep it cool. I got the tools. Ma petite Isabelle, alors eux ils regardent bien là-bas à gauche, donc faut faire attention à ne pas faire la connerie. Ah, il m'a bien vu. Il m'a bien vu le salopard. Je regarde un petit truc. I need a bolt just to turn that one and that one. A pick up. Oh, I'm ready. C'était Raskar Kapak dans les Tintins qui disait ça, non? Qui s'infiltrait dans les chambres et puis qui tirait des fléchettes empoisonnées sur les copains de Tintin. Il faisait flipper, moi. C'était Tintin et le... Ah non, il balançait des boules de cristal, putain, je confonds. Il balançait des boules de cristal. Raskar Kapak. Ah, qu'est-ce que je flippais devant ça. Comment il s'appelait, les 7 boules de cristal. Et puis la suite, c'était Tintin au Pérou. Le Temple du Soleil. Les 7 boules de cristal, les gars, mais comment il me faisait flipper ce dessin animé quand j'étais petit. Oh là là. C'était une horreur, ce truc. Il voit... You make quite the outfit. Il les voit même si. Ouais, je crois qu'il les voit même les cadavres. Il voit même les cadavres. How's it going? We'll finish this together. Kate, à toi de jouer. All right. Tu peux descendre, toi. Si tu peux descendre. I know a place. All right. I think you should lay down. This place got history. On va pas faire le fou avec le Dutch. Let's punch it. Look at you.
Le petit compteur de morts. Est-ce qu'une personne assommée ligotée compte comme un mort dans le compteur? Yeah, I'm right. C'est le même boulot, hein. C'est même encore un boulot encore plus chiant finalement. Donc ça devrait compter pour deux morts. Mais... Qu'est-ce que je vois là-haut qui brille? Les petits gars. Et qu'est-ce que je vois là-haut qui m'aura rien vu? Qui va me voir? Petit salopard. Tu me verras pas pousser le chariot si je reste agenouillé. Petit con. Là, il y avait personne. Ah, mais c'est quand les deux mecs qui passent. C'est quand les mecs qui passent. Je pensais que le chariot irait jusqu'à eux, en fait. Tu vois. Ah bah non, mais le rail est pas fini, je suis trop con. Je me suis dit que le chariot va aller jusqu'à eux. En fait, et c'est pour eux le piège, mais pas du tout. C'est pas du tout pour eux le piège. Ah, lui, bah, son copain, lui. Would you calm down already? Bon bah, ça servait à rien. Si ce n'est à m'amuser. C'est une bonne chose. C'est déjà pas mal. Shit, it's still not secured properly. I told you it ain't. My arm's getting tired. Stay close behind me. Hell yeah. Don't mess with the lady. What's up? Time to go. Glad you're back, sunshine. Le petit compteur de Doc qui augmente tranquillement. Frank's waiting. Ah, j'aime bien cette map. Au début, j'étais un peu sceptique, mais finalement, tu vois, je m'amuse bien. Il y a un bon level design là pour le coup. Un bon level design, il y a du relief, non c'est sympa quoi. L'autre partie elle doit être sympa aussi là tu vois. Là ça doit être pas mal aussi à faire ici. Tout ça c'est des environnements du tuto hein, ouais. Sauf que maintenant c'est beaucoup plus délabré. Ouais, ça doit être sympa aussi de l'autre côté. Hein. Mais je suis content du chemin que j'ai pris, moi j'aime bien, le petit endroit il est cool. Y'a pas de chien, ça fait un bout de temps qu'on a pas eu de chien de garde. Someone call for a doctor. Hector qui est un peu délaissé dans cette mission. Bah, j'ai pas grand besoin de lui là pour le moment. Now, here's a thought. J'espère que c'est pas la dernière mission du jeu, ça je serais déçu. Mais ça en a tout l'air parce qu'elle est longue et il y a Franck au bout. Et on est déjà dans le chapitre 3 et là où j'ai peur c'est que bah il y a les 5 personnages qui sont jouables. Donc tu vois ça pue la dernière mission. Après il y a le DLC, ça va, ça me rassure. Ça me dit pas comment je fais avec eux. Ils sont bien visibles en plus, hein, par tout le monde. Peut-être que je m'occupe du poncho là, parce que le poncho doit les voir. Poncho les voit. Ouais, j'ai mis le poncho. Je me dépêche d'aller chercher le cadavre. Même si se dépêcher d'aller chercher le cadavre, ça va être un grand moment. Ça va même être impossible.
Si je rentre par là, est-ce que je peux ressortir par un autre endroit? Dans la mine, ce serait bien ça. Ah, c'est pas une, un endroit visitable. Aller chercher le corps, c'est mort en fait. Passe devant lui. Would you calm down already? À moins que. Non, il voit rien en fait. Il voit rien. Par contre, il voit là. Il voit quoi? Il voit pas mal. Il voit beaucoup de choses. Shit, it's still not secured properly. I told you it ain't dangerous. Alors, si je passe comme ça, il va me voir monter la pente. Ouais, il va me voir monter la pente. Gotta make sure it's Are you even listening to me? En fait, je le bute, je vais récupérer mon schlass quand eux ils sont. Et je planque le corps. Quand eux ils sont en mode. Oh, mais c'est chaud! Parce que là, si je fais ça maintenant. Who needs a good killing? Par contre, j'ai une idée qui est potentiellement viable. Ça, tout dépend du son que ça va émettre. Mais voilà, si vous avez sûrement compris le jour à venir, ouais, ça devrait passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer. Ça va le faire. Ça va le faire. Il n'y a personne qui devrait les voir. Il faut que je fasse ça quand eux, ils sont en train de bosser sur leur truc. Sinon, ils voient les cadavres. Pire des cas, si je vois que ça marche pas parce qu'ils sont pas en train de réparer le truc, j'envoie Kate balancer un bordel. The old and the new. Dis-moi qu'il vient jusque là. Ah, it's now or never. Non, non, t'es sérieux? I got a bullet for you. Voilà. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Like fish in a barrel. Impeccable. Mourir, 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 mourir. Très très bien. Il devrait pas les voir. Bloqué dans le décor. Non, je vois pas. C'est cool. C'est très cool. Watch and learn. Alors qui les voit? Lui, il voit. Mais il voit pas si je passe là et je peux aller récupérer mon chasse. Ah bah non, j'ai pas de chasse, j'ai pas lancé de chasse. Qu'est-ce que je suis con moi quand je me. Ok. Cooper qui est en solo, Cooper qui fait toute la mission tout seul, Cooper qui est lancé, qui sent pousser des ailes. That ain't far now. Just gotta get through these folks. Jesus. How many men does Frank have? Doesn't matter. We just gotta thin down the pack. Sure, it's stuck. Are you even listening to me? Je pourrais presque passer tout le monde. Ouais, il faudra que je les bute, que j'aille récupérer ce qu'il y a dans le coffre là. Il y a lui aussi qui voit. Salopard. Il y a lui aussi. Et du coup, il y a lui. Voilà. Il y a du boulot encore. Hein. Il y a du boulot encore. J'aimerais bien récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Bon, après, je pense que je peux quand même le faire. Déjà, je vais aller voir de quoi il retourne au niveau du coffre. C'est John et Hector. Concernant John, ça peut m'intéresser. Concernant Hector, je m'en bats. Lui, il les voit comment? Il les voit pas si il meurt. S'ils sont morts. Donc, il les voit s'ils sont morts. I'll follow the plan. I got a task for you. You gotta stay dangerous. Gotta make sure it's stuck. Oh, putain, c'est dangereux. Are you even listening to me? What the? Non. Pas bon. Stay right here. Pas bon du tout. I ain't gonna be crushed by a fucking minecart. Bon écoutez, je vais arrêter là.
Parce que j'en ai un peu marre.